dont l'œuvre se revendique du surréalisme, travaille toujours en musique, entouré de ses femmes. Dans le sillage du surréalisme. Et j'ai tendance à travailler le pointillisme, qui c'est des milliers de points. Donc, pour ne pas me lasser, j'écoute le Chaabi, et ces points, je les mets au rythme de la Darbouka. Vous savez, le surréalisme, c'est un esprit dada, le dadaïsme, c'est-à-dire l'enfant. Il y a l'enfant qui est en moi. Il est toujours là à s'exprimer. Mais qui sont-elles, ces femmes, peintes à l'encre de Chine? Déjà, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est ma femme, c'est ma sœur, mes filles. Notre société est profondément matriarcale. La mère, c'est la pierre angulaire de la société. La femme, c'est-à-dire la mère, c'est la femme. Et rien ne se fait dans notre société sans la femme, sans la présence de la femme, sans l'aval de la femme. Rien ne vient du néant. C'est le défoulement du subconscient. C'est Khalti, c'est ma grand-mère. Moi, je suis très marqué par les vieilles femmes, c'est-à-dire c'est les vieilles personnes, et en particulier les femmes. Parce que notre société algérienne, elle a été véhiculée par la femme. C'est la détentrice des valeurs intrinsèques. Comme disait Siakham, l'artiste est le confident de son peuple. Donc moi, je transmets mes émotions que j'ai acquises envers la femme, c'est-à-dire ma mère et tout ce qui vient avec. Retranscrire une sensation, une expression. L'artiste est passeur d'émotions, de ces univers féminins, véhiculant des histoires, tout un patrimoine. La féminité est encore plus globale. Et pour moi, la femme, c'est une dimension, avant tout. Donc, quand je peins une femme, je ne peins pas une femme physique. C'est une femme, une dimension de générosité. L'Algérie, c'est une femme. Un arbre, c'est une femme. La mer, c'est une femme. Tout ce qui est nourricier et généreux, c'est une femme. Vous savez, la ville de Cherchez, c'est une ville méditerranéenne, donc on est noyé dans le bleu du ciel et le bleu de la mer. L'impact de ces deux bleus est très, très, très important pour un artiste. Et le bleu, c'est l'évasion, c'est la liberté, c'est l'imagination, c'est le rêve.